Hello, I'm going to speak French, sorry. Je suis Julia Billet, autrice du roman La guerre de Catherine. Alors, je, je vous parle depuis la France, dans mon atelier. Je suis en confinement à cause du Covid-19, comme vous sans doute. Et je suis très heureuse à l'idée euh, qu'au bout du monde, nous puissions malgré tout être en lien. Alors voilà, Catherine Words est donc euh, une traduction euh, d'une bande dessinée qui est parue en France. Cette bande dessinée est l'adaptation d'un roman que j'ai écrit. Qui s'appelait Catherine World aussi, la Guerre de Catherine en français. Je vais essayer de vous raconter un peu comment est née cette, euh, cette euh, adaptation, euh, comment j'ai travaillé avec Claire Fauvel, euh, qui a fait un merveilleux travail euh, de dessin, mais bien bien plus que du dessin, puisque elle a vraiment fait un réel travail d'adaptation de mon travail initial du roman. Euh, mon roman a été publié et je crois deux ans plus tard, j'ai reçu un appel d'une éditrice me demandant si je serais d'accord pour que ce roman euh, soit adapté en bande dessinée. J'ai été enthousiaste tout de suite. Euh, L'éditrice pensait à une jeune illustratrice, Claire Fauvel, et donc euh, elle m'a proposé de faire lire euh, à Claire euh, mon roman. Et de demander à Claire quelques premières esquisses en me disant que si ce, ce, le travail de Claire ne me satisfaisait pas, on chercherait quelqu'un d'autre pour euh, adapter. Claire a fait les premières ex esquisses, pardon, euh, donc des recherches de personnages. Alors tout ça se passe par mail, puisque moi j'habite dans les Vosges, qui est dans l'est de la France, pas très loin de l'Allemagne, pas loin de Strasbourg. Claire habite elle à Paris. Donc en fait au départ nous n'avons eu et mon éditrice habite aussi sur Paris. Donc au départ c'était vraiment un échange mail. Donc je reçois les premières recherches de personnages de Claire, que vous pouvez voir sur le diaporama que je... le petit diaporama que je vous ai proposé. Euh, et j'ai tout de suite été euh, conquise. Donc, première recherche de personnages, première planche, premier euh, essai de planche. Et j'ai bien aimé son univers. Et surtout, j'ai été très surprise parce que euh, la Catherine qu'elle me proposait avait une ressemblance avec ma maman quand elle était adolescente. J'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas encore lu euh, la bande dessinée, que, euh, cette histoire est en fait, euh, est en fait euh, euh, inspirée très fortement de mon histoire familiale puisque ma maman euh, qui est, a été une enfant cachée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle était juive. Euh, C'était une enfant hein, au début de la guerre, elle devait avoir 7 ans. Et euh, donc elle a été cachée par une association qui s'appelle Osez. Euh, et donc pendant la guerre, elle est allée de lieu en lieu, elle a été accueillie dans des lieux différents, elle a été obligée de changer de lieu à plusieurs reprises quand il y avait, euh, quand il y avait des risques euh, de dénonciation. Euh, et il se trouve aussi que ma maman a été euh, accueillie dans un endroit qui s'appelle la Maison des Enfants, qui est un lieu, euh, donc ça c'était tout, euh, tout au début de la guerre, elle a été... Euh, dans cette école-là, très particulière, un pensionnat où on accueillait les enfants qui étaient en difficulté euh, sociale, des enfants euh, un peu dont les familles, euh, dont les familles, avaient des, des, des problèmes sociaux, de, qui être, euh, ça peut être des enfants orphelins, des enfants dont les, un des parents était mort ou en prison, voilà, des enfants qui avaient déjà vécu des choses difficiles. Ma mère était une enfant euh, qui, qui, qui venait d'un milieu compliqué. Donc elle a été accueillie dans cette pension et euh, cette pension avait des méthodes très particulières, donc si vous lisez la BD vous, vous en saurez plus, euh, qui était très inspirée d'un euh, grand pédagogue qui s'appelait De Crowley, mais aussi euh, euh, de, de Freinet, voilà, de pédagogie qu'on appelait les pédagogies nouvelles, et qu'on appelle toujours aujourd'hui les pédagogies nouvelles d'ailleurs. Donc je me suis très fortement inspirée de ce lieu. Euh, qui a été vraiment un lieu très historiquement très important pour pas mal d'enfants de, de, et pour un certain nombre d'enfants juifs, puisque la directrice de, de cette école et son mari euh, ont permis justement à un certain nombre d'enfants juifs euh, d'aller en zone libre pendant la guerre, euh, et après la guerre ce même couple a, fait, a vu revenir des enfants qui étaient orphelins pour un certain nombre hein, dont les parents avaient, été, avaient disparu dans les camps ou... voilà et, et ces enfants ils les ont adoptés euh, dans le sens où ces enfants ont continué à grandir euh, à la maison des enfants jusqu'à leur majorité ce couple là n'a jamais eu d'enfants euh, à eux mais ils ont eu de nombreux enfants dont ils se sont occupés voilà donc ça c'était juste pour revenir un peu à l'histoire de la guerre de catherine et donc euh, je reviens à claire qui envoie quelques dessins et je reconnais ma mère quand elle était adolescente et là à ce moment là je suis très surprise et je me dis mais c'est incroyable entre claire et moi on ne se connaît pas et c'est comme si quand elle a lu quand elle avait lu mon roman euh, elle avait vu ma mère, comme si elle avait une vision de ma mère. Donc j'étais très impressionnée. Et euh, ça m'a encore plus convaincu de me dire, mais oui, évidemment, il faut qu'on travaille ensemble. Alors pour anecdote, quand même, pour l'anecdote, euh, quelques mois plus tard, on s'est rencontré avec Claire. J'ai tout de suite accroché, Claire est une jeune femme absolument... Euh non seulement elle est adorable, mais elle est extrêmement professionnelle et, et, et c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui, enfin, qui a une grande sensibilité, d'une grande humilité aussi. Euh, donc on, on, on s'est tout de suite très bien entendu et à ce moment-là, je lui ai dit, tu sais Claire, j'ai été mais éblouie par le fait que tu es... Tu as vu ma mère et que tu as réussi à la représenter. Et là, elle a éclaté de rire et elle m'a dit Tu sais, je suis allée sur Internet, il y a un site qui est La Maison des Enfants, euh, donc c'est le lieu où ma mère était allée et c'est un site qui a été fait par d'anciens enfants de, de La Maison des Enfants, donc des gens qui sont évidemment maintenant des vieilles personnes. Euh, et en fait, sur ce site, elle avait trouvé des photos, dont, des photos de ma, dont une photo de ma maman. Donc elle s'en était très fortement inspirée. Bon, la magie a un petit peu disparu, mais. Pas tant que ça, parce que je crois qu'il y a toujours eu de la magie quand même <laughs> dans le travail de Claire. Euh, donc Claire fait ses premières esquisses. Euh, on, moi je dis je suis d'accord, l'éditrice était d'accord. Et euh, donc Claire a fait... Alors, dans ce, la particularité dans une adaptation comme celle-ci, c'est qu'il n'y a pas eu de scénario à proprement parler. Je ne suis pas scénariste de la guerre de Catherine. En fait, Claire a pris le livre et elle a fait tout le découpage en images. Elle n'a pas fait le découpage en mots, mais elle a fait tout le découpage du livre en images. C'est un travail absolument énorme. Donc, elle a fait ça en crayonné. Euh, donc, vous pourrez voir euh, de la même façon sur, euh, sur le diaporama que je vous ai envoyé. Euh, sur la sixième euh, diapositive qu'un premier crayonné de Claire. Vous remarquerez que le crayonnet est déjà très beau. Euh, donc Claire fait un premier découpage et quand elle a eu terminé, elle nous l'a soumis à l'éditrice et à moi. Elle avait été extrêmement fidèle au roman. Bien sûr, quand on fait une adaptation comme ça, on doit faire des choix. Elle avait fait des choix vraiment très justes je crois me souvenir que je lui ai demandé juste un tout petit détail qu'il lui a demandé de rajouter je crois deux ou trois cases mais c'était vraiment un tout petit détail auquel je tenais à ce moment-là mais autrement tout ce qu'elle avait fait me semblait tout à fait euh, tout à fait euh, proche de ce que moi j'avais eu envie de faire mais en y ajoutant évidemment son univers à elle puisque moi j'avais mis des mots et elle, elle, a, elle a créé tout un univers avec des images j'ai été très vite très impressionnée justement par l'univers de Claire. Donc, ce premier, euh, ce premier travail de, de Crayonnet, donc on l'a bien lu, relu. Euh, alors, Claire avait un tel, euh, était, avait tellement le désir de respecter mon roman euh, qu'elle avait parfois euh, copié-collé des longs, longs passages de mon texte euh, dans, dans ses cases. Et, et en fait, moi, tout le travail que j'ai fait avec elle, ça a été surtout d'effacer, de, en lui disant, mais regarde Claire, tu, tu, tu as dessiné, on n'a absolument pas besoin de, de mettre mes mots parce que, parce que tu l'as fait en dessin. Euh, et, et donc, ça n'a ça aucune nécessité euh, que ce soit aussi bavard. Donc, en fait, on a beaucoup enlevé le texte, elle l'avait vraiment fait par respect pour mon travail. Euh, et donc, on a réécrit les dialogues de façon plus, plus light. Euh, Puisqu'une bande dessinée, justement, la bande dessinée, c'est vraiment l'image, a une, une part extrêmement importante. Euh, et et j'ai envie de dire que moins il y a de mots, plus on laisse de place à l'image, et plus c'est agréable à lire. Vous pourrez repérer, que, par exemple, sur la diapositive qui s'appelle... Catherine's Journey, le voyage de Catherine. On a quelques planches, par exemple, où il n'y a aucun mot. Et je vous ai mis à côté un extrait du texte euh, qui correspond à ces planches. Donc, euh, voilà. Donc, avec Claire, on a vraiment, sur ce premier temps, on a essayé d'enlever de, un maximum de texte euh, et de laisser plus d'espace de, à, son, à son travail d'image. Puisque là, on est vraiment dans la BD, on est vraiment dans un travail sur l'image. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord, l'éditrice aussi, bien sûr, était là. Nous étions trois à travailler de cette façon. Euh, donc là, à ce moment-là, on s'est vu toutes les trois. Je suis allée sur Paris à plusieurs reprises. Et après, Claire a, refait, euh, a remis au propre son crayonné. Donc, elle a tout redessiné. Donc, vous pourrez le voir sur la planche numéro 6. Et euh, elle a fait ce qu'on appelle l'ancrage. Le troisième temps, ça a été de faire la couleur. Voilà. Pour Claire, c'est un an et demi de travail. Hein. C'est un travail absolument énorme. Un an et demi de travail. Et euh, Claire est quelqu'un qui, euh, qui travaille beaucoup. Hein. Pas, elle ne travaille pas en dilettante. Euh, alors. Ce que je pourrais dire, c'est que donc voilà comment la, comment la bande dessinée est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, elle a été traduite, euh, elle a été traduite euh, aux États-Unis, mais aussi en Espagne, en Italie et normalement bientôt en Chine. Euh, et voilà comment voilà comment on a travaillé sur la guerre de Catherine. Alors peut-être que c'est une expérience particulière, euh, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de scénario. Le scénario, c'est mon roman. Euh, le scénario, c'est surtout et avant tout le découpage que Claire a fait en images. Il se trouve que moi, j'ai eu d'autres expériences avec d'autres dessinateurs sur d'autres bandes dessinées où on n'a pas travaillé de la même façon. Euh... Je, je pense à une bande dessinée, par exemple, euh, sur laquelle je, on n'est pas du tout parti d'un de mes romans, mais j'ai vraiment écrit le scénario pour faire une bande dessinée. Et euh, dans un premier temps, j'ai fait ce qu'on appelle euh, le synopsis. Donc en fait, j'ai écrit un texte qui devait faire une douzaine de pages, qui était un, un résumé assez complet de l'histoire que j'avais envie de raconter. Euh, je vous parle d'une un, bande dessinée qui s'appelle en français le mystère de la chambre froide. Euh, donc j'écris euh, cette douzaine de pages et je la propose à un dessinateur. Là en l'occurrence c'est moi qui ai proposé à ce dessinateur euh, qui avait envie, qui m'avait dit qu'il avait envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc je lui propose ce synopsis. Ça lui plaît. Et à ce moment-là, moi j'ai écrit un scénario. C'est-à-dire que mon synopsis, je l'ai découpé en scène. Alors, à chaque fois que moi, je travaille avec des, des dessinateurs en bande dessinée, pour moi, il est extrêmement important euh, que nous ayons chacun notre espace et notre, euh, notre liberté de création. Euh, ce qui veut dire que quand je, moi, je fais un scénario, je vais faire un scénario, effectivement, où je vais faire un découpage euh, par scène. Mais par contre, je vais rester, euh, je vais pas donner de détails extrêmement précis. Je ne vais pas donner même très souvent, même pas de détails sur euh, ce qu'il va y avoir dans les cases. Pour moi, ça c'est vraiment euh, le métier du dessinateur et, et c'est son travail. C'est un créateur, de la même façon que moi je suis une créatrice. Euh, et donc, ça me paraît très important de. de à la fois de. Ben, moi, je raconte une histoire euh, avec des mots, et lui ou elle va raconter euh, mon histoire avec des images. On va bien sûr après ajouter des dialogues souvent. Euh, je sais que j'ai des, des, des amis qui font des scénaristes des bandes dessinées, qui, eux, euh, vont donner à leur dessinateur euh, un scénario où chaque case est décrite. C'est-à-dire que dans chaque case, le dessinateur sait exactement ce qu'il va avoir à faire. À gauche, je veux une fenêtre avec un rideau à fleurs. À droite, je veux un lit. Je veux que la personne assise sur le lit se soit habillée avec un pantalon vert, etc. Alors, pour moi, alors il y a des gens qui travaillent très bien comme ça, et des, des scénaristes et des dessinateurs qui se retrouvent tout à fait bien dans ce type de travail. Pour moi, c'est absolument inimaginable. Pour moi, le, le, j'ai un grand respect pour, pour justement le, le, le métier de dessinateur qui, qui fait que, par exemple, euh, là où Claire est. est Claire a énormément de qualités. Et par exemple, Claire, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement bien cadré. À la fois, elle peut faire des gros plans à la fois, elle peut faire des plans larges. C'est très proche hein, de, de, du, du cinéma c'est très proche d'un travail de, de, travail de photographie ou de, de cinéaste. Euh, donc, c'est toute cette réflexion euh, sur euh, à quel moment c'est plus intéressant d'avoir un plan large, un plan plus serré, etc. Moi, ce n'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Je suis très admiratrice, admirative de ceux qui savent justement qui ont l'œil. Moi, je n'ai pas l'œil. Je suis pas quelqu'un de visuel en plus. Donc, c'est très important pour moi de laisser, euh, de laisser euh, le dessinateur faire son travail. Et pour ça, je vais essayer évidemment de lui donner tout les, toute la matière, la matière de l'histoire, mais je lui laisse complètement interpréter euh, ce que je lui dis en y mettant sa patte, son univers. Et, et pour moi, à chaque fois que j'ai travaillé ou que je travaille, là, en ce moment je suis en train de travailler avec un, un autre dessinateur sur un projet, euh, je suis toujours émerveillée par euh, ce que l'autre m'apporte de son univers. Donc, lui pourrait peut-être dire que... Enfin, j'espère qu'il s'émerveille aussi de mon univers. Mais bon, soyons plus modestes. Mais en tout cas, je pense que s'il travaille sur un texte que j'écris, c'est qu'ils ont envie. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours cet étonnement, cet émerveillement de voir quelque chose prendre forme, enfin, des images prendre forme, tourner les pages, manipuler, pouvoir regarder chaque case et pouvoir regarder aussi toute une planche. Parce que... J'ai appris beaucoup de choses évidemment en hein. travaillant avec des dessinateurs. Euh, on, 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 on ne termine pas une planche n'importe comment. C'est-à-dire qu'avant de tourner la page, il faut que quelque chose soit se soit terminé sur cette page, soit nous laisse en suspens sur la page qui va suivre. C'est un métier et c'est pas le mien. <laughs> Donc ce que ce que ça veut dire, c'est que quand je travaille, et ça je peux dire dans tous les cas, avec un dessinateur, une dessinatrice, il y a énormément de d'échanges, d'aller-retour. Euh, on passe du texte à l'image. Quand les images sont faites, je regarde les images, ce qui veut dire aussi que des dialogues que j'avais prévus parfois euh, n'ont plus de sens ou alors euh, doivent être transformés. J'aime beaucoup ce travail justement où où on dialogue. On est dans un travail de dialogue. Donc, pour moi, le travail de scénariste dans la bande dessinée, comme j'ai envie de le faire moi, c'est un travail de dialogue avec le dessinateur ou la dessinatrice. Ce qui veut dire, oui, que parfois, quand, euh, quand nous en arrivons au moment de, 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 de mettre les dialogues hein, sur les images qui ont été faites, eh bien, je, je m'adapte au fait que, par exemple, le dessinateur va, eu, va avoir pris trois pages pour, avoir fait, euh, euh, pour, euh, pour dire quelque chose que moi j'avais mis en deux lignes. Euh, et lui, il a eu besoin ou elle a besoin de faire trois pages. Eh bien, je m'adapte et, et on travaille ensemble sur l'intérêt ou pas de laisser un, une image sans mots, ou au contraire, la nécessité d'ajouter un dialogue qui n'était pas prévu au départ, etc. C'est une façon de travailler euh, qui est personnelle. Je crois qu'il n'y a pas la bonne façon de travailler euh, sur le scénario et il n'y a pas la, la bonne façon de faire une bonne dessinée. Je crois que c'est vraiment à chaque fois euh, une histoire qui se fait en binôme ou en trinôme, puisque l'éditeur est aussi là, présent. Enfin, ça dépend à quel moment euh, l'éditeur intervient dans le, la réalisation du travail. Mais. Voilà, moi ce qui m'intéresse, euh, peut-être aussi, ce qui m'intéresse, c'est le, le dialogue. Peut-être aussi parce que justement, j'écris euh, des choses très différentes, mais j'écris, on va dire, beaucoup du côté du roman euh, ou de textes longs, et que donc, je suis souvent très seule. J'aime cette solitude de l'écriture, c'est est une solitude qui est, qui est, qui est remplie, qui est, qui est belle, qui est nécessaire. Et en même temps, dans la bande dessinée, je, je, je vis autre chose, c'est-à-dire que je suis plus dans la solitude, je suis dans la confrontation, je suis dans l'échange, je suis dans le plaisir aussi de, de travailler à deux. Euh, C'est quelquefois un peu la partie de ping-pong. Euh, C'est plus sportif, peut-être, que quand on est tout seul, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Hein. Je ne je, je suis pas en train de vous dire que tout, tout, ah, avec Claire, ça a été très simple. Là, je dois avouer qu'avec Claire, c'était d'une simplicité, mais sans doute aussi, c'est parce que Claire a fait le gros du travail. C'est-à-dire que moi, je suis intervenue pour finir assez peu. Bon, peut-être le plus au moment des dialogues, mais autrement, euh, voilà. C'est au moment des dialogues de, par, pardon, de, qui, qui qui devait s'inscrire sur les planches. Euh, voilà, donc avec Claire, ça a été vraiment quelque chose de, 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 de très limpide et à chaque fois que je lui disais des choses, elle entendait et, et à chaque fois qu'elle me disait des choses, je l'entendais aussi. Donc, c'était, il y, y a une sorte de limpidité de travailler avec Claire. Il y a d'autres dessinateurs avec qui ça peut être plus musclé parfois. Euh, on n'est pas forcément d'accord, mais on discute et puis et puis on, se, on arrive à se convaincre, quelquefois pas, quelquefois oui. On arrive toujours, en tout cas, comme... Quand on est deux, deux personnes et qu'on travaille sur un même projet, c'est aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord que le projet va avancer, va, va se transformer. Voilà. Donc, j'espère que ce que je vous ai raconté déjà vous donne envie, peut-être, d'aller voir de plus près Catherine Wall. Euh, et peut-être aussi euh, penser un peu autrement la façon dont on peut construire euh, euh, un scénario, comment on peut construire une bande dessinée. Euh, voilà, donc est, il, il est clair que je ne vous donne pas la bonne recette, je ne l'ai pas. <laughs> euh, ce sont des choses qui se, qui se travaillent et puis surtout, surtout, ce qui est très important, c'est que pour moi en tout cas, c'est que c'est toujours en fonction de la personne avec qui je travaille selon les personnes, eh bien il y en a qui, enfin voilà puisqu'on est dans le dialogue, on est dans l'écoute de l'autre et en étant dans l'écoute de l'autre on va trouver, on va essayer de trouver la façon euh, euh, moi en l'occurrence, comment je peux écrire mon scénario de telle sorte que le dessinateur, la dessinatrice à la fois soit euh, et soit rassurée euh, à la fois puisse euh, avoir un cadre qui, qui soit, oui, un cadre qui soit rassurant mais qui puisse aussi à la fois trouver un espace de liberté eh bien j'espère je, que ces quelques mots euh, vous auront intéressé euh, j'aurai grand plaisir à venir vous rencontrer au canada peut-être un jour on va pas rester confiné euh, comme ça pendant des années j'espère euh, écoutez même je vous dis au revoir et je vous remercie euh, de m'avoir écouté jusqu'à la fin Merci beaucoup au revoir.